Écoutez le préféré aux méthodes traditionnelles, reportage d'Elsa Ortega. À cette époque, nos points d'études étaient plus nombreux, mais on s'aimait comme ça. Quelques millions d'années plus tard, les critères de beauté ont changé. Aujourd'hui, on fait la guerre à des poils disgracieux. Distillation rapide. Quelle est la solution idéale pour cet été? Enquête. Regardez Robinson. Bah oui, Robinson, il bouge plus. Oui, il est voisin. Regardez les voisins. Nous avons 4 millions de poils répartis sur tout le corps. Alors, pour bien donner cette guerre contre les poils, comprenons d'abord comment ils poussent. Au départ, un poil c'est le plus populaire. C'est ici qu'est fabriqué le poil au rythme d'un demi-millimètre par jour. Une fois formé, le poil se sépare de sa racine. Et c'est à ce moment-là qu'il arrête de pousser pour remonter à la surface et être expulsé. Résultat, le poil tombe et un nouveau cycle de croissance recommence. Bien compris? Alors la chasse est ouverte. Direction à l'Institut de beauté pour l'exterminer. Aujourd'hui, Vesta et Sénitienne va réaliser un soin un peu particulier pour nous expliquer la différence entre le rasage et l'épilation à la cire. Première jambe, épilation. L'avantage de l'épilation à la cire, c'est qu'on enlève le poil de la racine. Le résultat, c'est que ça n'est pas tellement poussé et que le poil est beaucoup plus fin et beaucoup plus clair. Pour la jambe droite de Laura, traitement différent, ce sera rasage. Le rasage coupe le poil à la surface. On ne prend pas la racine comme le fait une épilation à la cire. Donc, le poil en plus, ça rentre bien en face. C'est plus noir, c'est plus brûlé. D'accord pour la sensation de dureté à la repousse. Mais attention mesdames, aux idées fausses. Après le rasage, les poils ne pousseront pas plus vite et ne seront pas plus nombreux.